Je suis très heureux de participer à l'ouverture de ce parc méditerranéen de l'innovation. C'est vrai que pour le territoire du Grand Narbonne, c'est un événement d'importance, puisque depuis notre arrivée au sein de la communauté d'agglomération, nous avons décidé de jouer la carte de l'innovation pour favoriser le développement économique et l'emploi. Alors vous allez voir en visitant ce parc méditerranéen de l'innovation, il est composé de différentes structures. Donc il est composé tout d'abord de l'IUT Génie Chimique, Génie des Procédés, donc il propose comme formation un DUT, et nous avons pour objectif de compléter ce DUT avec des licences professionnelles dans le domaine de la construction durable et dans le domaine des techniques de dépollution. Il y a aussi donc une halle de transfert technologique qui est portée par l'INRA et donc qui va permettre de réaliser des expérimentations et qui seront donc, bien entendu, cette halle sera disponible pour les entreprises pour pouvoir mener des processus, des expériences, donc qui est portée par l'INRA. Et enfin, une dernière composante qui est constituée par l'hôtel pépinière d'entreprise, donc qui sera livré au cours du premier trimestre 2010 et qui servira à accueillir des entreprises innovantes. Nous avons lancé une procédure de délégation de services publics et nous devrions connaître très bientôt le prestataire qui sera chargé d'accompagner les entreprises. Il y a la volonté du Grand Narbonne de mettre en œuvre une politique de marketing territorial dynamique avec la mise en œuvre de colloques scientifiques de grande envergure. Aujourd'hui, c'est un moment important parce que, quelque part, c'est la synergie d'un certain nombre de partenaires qui va tracer un peu l'avenir. Les jeunes dans cette région ont l'habitude de travailler dans leur coin et je crois qu'aujourd'hui, on a pris conscience que ce qui est important pour développer cette région, c'est d'essayer de voir comment on peut relever des défis, et notamment le défi donc de l'environnement est un défi important. Et bien sûr, c'est peut-être aujourd'hui, ça permet peut-être de prendre aussi conscience des enjeux, mais c'est peut-être aussi un effet de mode, mais il y a aussi des gens qui travaillent sur le fond. Et ici, ce qu'on a essayé de faire, c'est bien sûr s'appuyant sur l'expertise de personnes qui sont reconnues internationalement, essayer d'avoir cette synergie entre la recherche, l'enseignement supérieur et également les entreprises. On est conscient, et on le voit dans d'autres secteurs comme l'éolien, comme le photovoltaïque, qu'il faut monter de véritables filières. Et c'est à nous de mettre tout ça en synergie. Et ce n'est pas un hasard si aujourd'hui vous avez le conseil général, le conseil régional. La recherche et l'innovation, c'est un des points forts de la région. Et donc aujourd'hui, à travers cet outil, je suis persuadé que la région continuera à nous aider. Au travers des campagnes, on parle de voir grand, c'est ce qu'on disait, voir grand Narbonne. Ça veut dire qu'il faut voir au-delà de notre petit précaré. Quand on disait aussi l'esprit d'ouverture, c'est aussi l'esprit d'ouverture sur la Méditerranée. Et donc je compte sur vous, monsieur le sous-préfet, pour souligner en haut lieu l'intérêt qu'il y aurait à ce que ce Grand Narbonne devienne encore plus grand. Je vous remercie. Sur un site où il y a trois entités, dont l'INRA, donc il y a une halle de recherche juste à côté, qui travaille dans le domaine des biotechnologies. Donc nous ici, comme on est option bioprocédé, on peut avoir une synergie avec eux, eux étant plus dans le domaine de la recherche, nous plus de l'enseignement, et on peut avoir des contacts, des va-et-vient, que ce soit en termes par exemple de stages, de sujets de projets, etc. Concrètement, nous, cette année, un projet nous a été fourni, entre guillemets, a été proposé par une de ces petites entreprises pour que nos étudiants travaillent sur ce projet-là. Ça va déboucher sur un stage chez eux pour un de nos étudiants. Donc il y a vraiment une complémentarité, une synergie. Et pour nous, c'est très intéressant d'être ouvert vers des choses de dernier cri, entre guillemets, d'actualité en tout cas.
en termes de fonction, ça va être plutôt des gens de terrain, en production, en contact véritablement avec le procédé qui fabrique, qui dépollue. Apprécie que ce soit les étudiants ou les enseignants d'être sur ce site-là. Après, je pense que ce qui est important, c'est qu'on ait de la place, puisque effectivement, comme on travaille sur des unités qui ont une taille assez conséquente, ne serait-ce que la taille du bâtiment, c'était assez difficile de le mettre en centre-ville. Donc, il y a en plus cette synergie avec nos deux voisins, donc l'INRA et la pépinière d'entreprise. Donc l'idée, c'était vraiment de faire un site aussi spacieux, agréable à vivre, à la fois pour les personnels, à la fois pour les étudiants, qui nous permettent vraiment d'avoir les meilleures conditions possibles pour évoluer. Nous avons le souci de faire rayonner le territoire du Grand Narbonne et de faire en sorte que l'économie de la connaissance soit une pièce maîtresse de notre développement économique.